Cette petite boule de poils que vous voyez à l'écran s'appelle Itaewon. Comme le quartier à Séoul en Corée du Sud ou comme le drama Itaewon Class. C'est un petit Eurasier qui est né le 18 mai 2024 et qu'on a adopté récemment. Pour bien l'accueillir, il a eu son Tipeee avec sa petite plaque personnalisée. Mais voilà, écrite à la main, ça rendait pas bien, alors j'ai voulu la refaire et je vais vous montrer comment. Dans Cricut Design Space, je crée un gabarit d'environ la taille de la plaque et c'est vraiment juste pour savoir quelle taille donner au texte, donc ça doit pas être super précis. Ensuite, on écrit le texte qu'on veut, on choisit une typo qui nous plaît. Donc moi, pour ma part, j'écris Itaewon en coréen, mais aussi en lettres latines. Et puis, il suffit de centrer le tout. J'enlève le gabarit, puisque comme je vous ai dit, c'était juste pour s'orienter niveau taille. Et ensuite, on fait découper ça en mode attaché avec la Cricut en vinyle. Alors, moi, c'est la première fois que je découpe du vinyle sans le tapis de découpe, et j'avoue que ça m'a un tout petit peu fait flipper, mais ça se passe bien. Donc voilà, allez-y. Bref, ensuite, on épluche le surplus de vinyle. Moi, j'avais imaginé effacer ce que j'avais écrit à la craie et juste poser le vinyle écrit dessus. Mais en fait, ça partait plus. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai décollé un morceau de vinyle noir. Je le roule pour qu'il adhère bien. Et ensuite, avec un cutter, je découpe autour. On fait deux petits trous et hop, la plaque paraît propre. Ensuite, je dépose le film de transfert, je maroufle. On enlève le papier blanc et on dépose sur l'étiquette. Alors là encore, hein, marouflage et rouleau. Une ficelle et hop, ni vu ni connu, une plaque de prénom bien propre et avec une couleur pétante pour bien identifier le toutou. En tout cas, la nuit tombée, Itaewon adore son Tipeee et nous, on est ravis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez les contenus de crafting, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Alors attendez, si vous voulez suivre les aventures du petit Itaewon, allez jeter un œil sur sa chaîne Itaewon Eurasier. Il y aura des vlogs, des sujets autour des chiens, des recettes et des DIY pour nos amis canins et beaucoup plus encore. Allez, vous pouvez pas dire non à cette petite bouille, regardez. Allez-y.